Roanoke Ridge. Roanoke ou Roanoke? Roanoke, je crois. C'est pas japonais, de toute façon. Alors. Qu'allons-nous faire? On a toujours le... J'allais dire l'élu, je sais pas pourquoi j'allais dire l'élu. J'ai des mots bizarres en tête en ce moment. Le légendaire, je pense qu'on va aller le prendre celui-là. Parce que ça va faire au moins 3 ou 4 fois qu'on passe à côté, on le prend jamais. Ah, on va aller le faire, on va prendre le Springfield et le double canon. Allez, c'est parti. On va faire un peu de chasse. Ah! Vous me dites si le son est bon et tout ça, s'il n'y a pas des problèmes. Ah, sûrement une autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. Attends. D'accord, cool, merci. Je viens juste de commencer, je suis pas d'humeur. C'est un puma. Un cougar. Depuis le temps qu'on est là, on a vu zéro cougar. On n'a rien vu du tout. Et là, tout d'un coup, il y en a un. Ah, et bien joué pour avoir peur tout le temps, toi. Bien joué. Bien joué pour être effrayé par rien. En plus, ce que j'essayais de faire, c'est ça. Faire hi-ha pour faire peur au cougar, mais même pas eu le temps. Femme cougar. Femme cougar. Oula, attends, on va prendre l'express. Balle. Haute vélocité. Voilà. Là, c'est des plantes. Il faut le trouver maintenant, l'autre. Il faut le retrouver, même. On va voir les traces là-bas. C'est une biche 3 étoiles, peut-être qu'on va se la faire. Là-haut.
Non, pas ça, ça. Je crois qu'on l'a trouvé. Wapati, c'est un Wapati, c'est tout? Ah, peut-être pas lui monter dessus, il fallait marcher dessus. C'est même pas le légendaire. La merde. Ah merde, du coup on peut pas prendre le légendaire encore une fois, c'est bien. Ça, on commence à avoir l'habitude. Je sais pas trop où on pourrait aller. Je pense qu'il faudrait passer quelques jours pour débloquer les missions secondaires. Ah, l'environnement il est bien. Étoiles. L'environnement est magnifique. Corne a un jeu aussi bon avec l'environnement, l'atmosphère et tout ça. En fait, tu peux faire ce que tu veux avec le jeu. Moi, je dis toujours ça. Je dis toujours la même chose par rapport à ça. C'est comme. Un jeu, bon, qui a pas grand chose à voir avec. Avec Red Dead, mais par exemple, j'aime bien qu'il y ait une autre animation quand le dos du cheval est chargé. Il essaye de la glisser en fait en dessous au lieu de la poser dessus. Ils ont fait vraiment des animations pour tout, quoi, c'est vraiment cool. The Long Dark, en fait, l'atmosphère est vachement bien aussi, vachement bien fait. Donc, quand t'es bingo avec ça, ton jeu il peut être n'importe quoi en fait. Peut faire un jeu d'horreur, peut faire un jeu d'aventure, peut faire un jeu de rôle, peut faire un jeu. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Là, on peut en faire un jeu d'horreur si on veut. On fout des monstres, des zombies, j'en sais rien moi. Avec la brume et tout ça, ça fait flipper. Et après, tu peux en faire un jeu de cow-boy, tu peux en faire un jeu n'importe quoi. L'environnement est tellement bien détaillé. On va aller au trappeur. Non, on va aller. Faudrait qu'on rentre chez nous en fait. Faudrait complètement qu'on rentre chez nous. Qu'on rentre au camp. On va aller à la gare. On va aller à la gare. La gare la plus proche, c'est laquelle? Bah, je crois que c'est ça. C'est ok. T'as aimé les vidéos sur The Long Dark? Ouais, elles sont vachement bien faites. Enfin, je veux dire, le jeu est vachement bien fait.
Il est où ce con? Please, I can't feel my leg anymore. You have to get the strap off of me, please. Keep pulling. I can feel it. Oh God. Oh, oh, you did it. Oh, oh. I gotta get some scrap or something. Oh, oh, Mr. Yuke, I thought I was gonna be. Oh, go! Oh, I thought I was gonna be a goner. Oh, you can take whatever you want from my pack for saving me. On a pas de whisky sur. Ah, si, quand même. Here, this will help with the pain at least. Comment je me jette des fleurs. Oui, je voulais pas dire que. Enfin, oui, mes vidéos elles sont très très bien faites. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est. C'est facile d'être dans le jeu en fait. Avec l'atmosphère. J'ai été perturbé par le mec qui gueulait. J'ai été perturbé. Arrête, t'as déjà défoncé un lapin? Un lapin. Un poisson. Qu'est-ce que je raconte moi en ce moment? Viens ici. Viens ici, poisson. Viens ici. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux en faire de ça? Il est trop gros. Ça va être remplacé, non? Remplacé. Bon bah. Ça fait chier quand même de laisser un si gros poisson. Mec, tu veux pas un poisson? Regarde. Tu peux le faire cuire si tu veux. Tiens. Voilà, de rien. Comme ça, t'as un peu à manger. Hey there, girl. Yep. Oh là. Okay. On va passer par là. You really did a good thing, friend. Je sens que ça va mal se passer la route de. La route du retour. Ou alors il nous faut un deuxième cheval. Je suis en train d'y penser là. Ah non, il faudrait un cheval avec une selle en fait. Donc il faudrait ou en voler un ou alors. Ça me fait un peu chier de tirer sur tout ce qui bouge. Mais bon, quand c'est 3 étoiles, faut le prendre. Donc bon. Là, tu t'es sûr que le jeu, il est pas apprécié par... Let's go, girl. Ce machin, yep. Protection des animaux, quoi.
Yep. I'm just a blind old fool. Don't be like me. Be a wise man. Be a fool for love. Help a blind man. Okay, here you are. Allez? Ah. Même le jeu il marche un peu au ralenti, un peu fatigué je crois. Pas encore bien bien chaud. Just as evil begat evil your whole life long, so good may beget good. Well, okay then. Thank you, I guess. Merci. On va dans une usine de lasagne. Un cheval dans une usine de lasagne. C'est une idée. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une idée. On va prendre le train. Je crois qu'il faut aller à Rhodes, c'est plus... Tout ce sang, c'est à cause d'un cougar. C'est à cause d'un cougar, faut pas faire attention. Ouais, on va aller à Rhodes, en plus il y a... Il y a Billy et il y a un avis de recherche. Bonjour. Allez. Pleasant travels. Faut qu'on fasse les missions avec le savant fou. Les savants fous sont vraiment cool. Faut qu'on fasse ça. Parfait. Stay, girl. On va aller voir la fiche d'abord et on va demander. Qui est Billy? Ah oh, merde, j'ai pas mes armes. Ah, c'est pas grave. Maintenant, on a les flingues. Flingues automatiques, là. Enfin, semi-automatiques. $35. Violent sur un adjoint. Ah, welcome back, sir. Alden, I need a word. Hello, you. What can I help you with? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car.
Attendez le prochain train. Ouais, mais on n'a pas trop le temps. Good day to you. Partner. Are you well? Too sober to smile. On attend. On attend, hein. Faut bien s'amuser. Warner. How do you do, sir? Normalement, il faut juste leur parler. Enfin, si c'est pas des connards, quoi. Faut leur parler, faut prendre une photo d'eux, en fait. Là, on devrait être bon. Faut aller voir le wagon bar. On n'a pas pris de billets, on n'a pas acheté de billets. Je sais même plus à quoi il ressemble. Attends. C'était dans photographie, je crois. Photographie. Billy Midnight, à quoi il ressemble? Ok. Moustache, cheveux, moitié long, certain âge. Les deux armes. Peut-être lui. Sûrement lui. Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen, this won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Oh. Mr. Midnight! Qu'est-ce qui... Non, pas dessus, pas au-dessus. Je veux juste ta photo! Oh la vache. I knew you'd come for me! It wasn't my fault! I knew! You don't know nothing, Mr. Midnight! I wanna talk! Don't do something foolish! You come for me! No! Come on! J'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal. Hein. Ça me rend fou ce système. Je sais pas pourquoi, mais... Faut que je presse lentement, après que je represse encore une fois, et après que je represse une troisième fois pour tirer. J'essaye de lui tirer sur le flingue, c'est super dur. Je tire dans le bras, comme ça j'ai pas besoin d'attendre qu'il sorte le flingue. En fait, je lui tire dans le bras. Dans le premier, j'avais aucun problème avec ce genre de duel. Mais merde, j'ai pressé trop vite. Le système, il est foireux. Le système, il est foireux. J'aime pas du tout.
Non, 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 non. Quoi? Pistolet de Midnight. C'est un Mauser. J'ai essayé de tirer sur son arme, on est d'accord, hein? Je l'ai pas tué volontairement. La première balle, apparemment, elle a pas fonctionné quand j'ai tiré sur sa deuxième arme. Pas ma faute. Bon, on va partir d'ici. Parce qu'on va croire que c'est ma faute. Voilà. Personne n'a rien vu. Donc on a un nouveau pistolet. On est d'accord, je pense pas qu'on pouvait le sauver. Je peux pas le retourner. Par contre, la cadence de tir, elle est pas aussi élevée que l'autre, en fait. Le semi-auto tire plus vite. Il a plus de précision aussi, j'ai l'impression. Il a un peu plus de dégâts. Il a plus de portée aussi. Ah, mais non, on a peut-être... Ah si, on a les mêmes balles. Ouais. Il a un peu plus de dégâts, en fait, le Midnight. Il se recharge plus vite, non? Recharge. Non, se recharge. Non, c'est lui qui se recharge plus vite. C'est de la merde en fait les Mauser, apparemment. Ça, je sais pas. Pas grave. On verra quand on pourra acheter un Mauser normal. Bon, du coup, on se retrouve où, là? Bon, ça, Rod est pas trop, trop loin. Ah, bah, on est à côté du camp. Oh, cool. Ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce que je dis, moi? Je sais pas, moi. Ah, attends. Merde. Deux étoiles. C'est moi, John. Keep your eyes peeled, Marston.
suis un peu déçu de l'arme. Ça fait chier. Honnêtement, je suis vraiment déçu de l'arme. Je pensais que ça serait vraiment beaucoup mieux, mais... pas grave. Ça arrive. De toute façon, on peut toujours la récupérer. Voilà. On peut toujours la changer, hein. C'est pas grave, grave, mais bon, j'aurais voulu que ça soit un truc sympa. Sadie. You gonna wash off that blood? Qu'est-ce que vous avez? Ça va, c'est bon. Et j'ai du sang sur moi, c'est pas grave, ça arrive. Pas comme si on était des gentils. Miam miam miam. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est bon. Sur la carte, il y a une roue avec le signe du dollar en haut. Il y a peut-être des choses à acheter, des nouveautés. Je sais pas. Par contre, je voudrais bien donner tout ce qui est peau et tout ça à Pearson. Où est-ce qu'il est, ce con? Ah, il est là-bas. I ain't thinking much. Drunken idiot, that's what you think. I got bigger problems to worry about. Have you? Have you? That's nice. Good for you. Good for you. But Karen, don't do this to yourself. Please. You got a choice. Sure. I got a choice. That's nice. I haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. Oula, comment ça? I will. Can't have that pot go completely empty. Fine, but make sure you get a good price for it. Many thanks, Mr. Morgan. If you're struggling for space in your satchel, just bring me the materials and I'll work something up for you. Peau de biche, serre et wapiti, c'est bon, voilà. Augmente la capacité de transport pour tous les types de fortifiants achetés ou fabriqués. Just remember, my items are one of a kind, Mr. Morgan. On a pu enfin créer quelque chose. Ah, c'est Jack, il est en haut, ça. Remember, you won't find something like this anywhere else. Okay, Mr. Morgan? Yeah, yeah, yeah. Ah, t'es toujours là, toi. Mrs. Ed. Arthur? Pas de me suivre. Hey, Arthur. Attaquer une diligence. Oh, putain, Lenny, tu fais chier. Des trucs à faire, Lenny. Laisse-moi dormir. Après, on va voir. Laisse-moi dormir un petit peu. Je suis fatigué. Et on va remettre de la pommade et tout ça sur les cheveux. On reprend des balles aussi. Ouais, ils ont refait le plein. À quoi le coffre déjà? Ah oui, c'est les vêtements.
peux pas... Ah, la veste, manteau. Je voudrais bien le retourner, en fait. Je pourrais l'enlever, la veste. Ce serait bien, ce serait stylé aussi. Dormir jusqu'au matin. Donnez-moi une seconde, je vais tester un truc avec le son. Ah, il est plus là. Mince. Lenny. Plus de diligence. Ouais, non, il y a plus la mission de Lenny. C'est bon, tout va bien avec le son maintenant? Enfin, moi c'était pour le retour en fait qui était pas bon. Chasse à la prime, on va faire ça. Ils sont en train de se prendre la tête encore, ces abrutis. Ah, du coup, on va pouvoir porter plus d'objets. Ah ah, cool. On va tout prendre. Putain, on peut en mettre dans la sacoche. Hein. On va le garder parce que c'est stylé. On va garder tous les trucs qui sont rares en fait. Comme ça on aura une panoplie rare. Je sais pas. Même si je suis pas très... Le problème c'est qu'on peut pas modifier les parties de l'arme. C'est ça le problème. My leg, it hurts so bad. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. Now. Do it. I ain't gonna repeat myself. Fine. Hold it. Yes, you got me, lady. Wrong mark, folks.
Ah, ils sont bien ces flingues. Crime signalé. Pourquoi crime signalé? J'ai tué une personne qui passait, c'est ça? Inconnu. Non, j'en sais rien. Non, on va se casser. Oh, la tête, elle était dégueulasse. Je me suis défendu, merde. Genre, j'ai peut-être tiré sur... Je tirais tellement vite. Avec ses armes, peut-être que j'ai tiré sur quelqu'un qui passait en même temps. Directement tombé sur le cheval. C'était pas super stylé, mais on l'a fait. Mais ouais, je suis un criminel encore. Putain, 10 dollars, fais chier. La santé bizarre de toute façon, le coup de la femme, il n'y avait pas de cheval à côté, il n'y avait pas de traces, rien, c'était un peu étrange. Je cherchais en vie. Ah, sûrement dans la maison. Non, prends le chapeau. Merci. Arthur. Putain! J'ai oublié de le fouiller. Attends deux secondes.
Excuse-moi. Hop. Voilà. You don't mind, do you? Voilà, merci. You're coming with me. D'abord, faut toujours fouiller. C'est jamais, il peut cacher une arme. Okay. The sheriff of Rhodes is waiting. You call this a hog tie, you miserable bastard? Tight laundry tater. You're lucky I haven't. Ferme. I didn't ask for your opinion. Ta bouche. T'es encore en vie? Bah merde, t'es encore en vie. Oh là 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 là. Bouge un peu. On n'a rien vu, hein, tout va bien. Okay then, girl. Take it. Making me like you. So tell me, you like pornography, lad? You know. Laddie, I said, do you like lewd images? Breasts and arse and all the business, only arty like. I can get you some photographs of wee tiny folk up to all sorts. How's about it? It'll blow your mind. They're real fairies. Laddie? Okay. Almost there. I can deal with you. Ça aurait pu être intéressant. Time, you dozy bastard. Ça aurait pu être intéressant. Are we there yet? How long's this blooming taking you? Send your horse to a knacker's yard when we're done. Cause the old knack's past it. Good for glue, and no much else. And it smells of arse back here. Ça fermait ta grande gueule. Putain, regarde-moi ça, quoi. Come on. You're just the worst. Here's your Scotsman. Nearly torched me, but I got him. Oh, dear Mr. Laidlaw. That is going to count against you. Cells there for him. I'll have none of it. I came peacefully. Well, like hell you did. Bounty's the same whether you was nearly inflamed or not, I'm afraid. I'll take it. C'est marrant, on envoie un mec qui vaut 10 dollars attraper un autre mec qui en vaut 35. Ah, ça vaut le coup pour eux. Je vais regarder maintenant si on peut acheter des Mauser. Bonjour. Hope you brought money this time. Ain't gonna get away with swiping in here anymore. What can I offer you? Let's have a look in here. Non, c'est pistolet qu'il faut regarder. Y'a rien, y'a pas le Mauser ici. Okay, well, personnalisé, ça a pas marché. Double canon, c'est une auto. Non. Oh, I didn't expect that. Thank you. Really? You believe that? Come on, girl. C'est là-bas. Excusez-moi, je suis pressé. Got some bills to pay, huh? Voilà. Thank you for your help.
Maintenant, revenons à nos loups et ours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Albert Mason, ça c'est la photo. Emmett, c'est un as de la gâchette. Et Flacco aussi, je crois. Ouais. Ils sont tous près de Valentine. Faudrait se nettoyer, franchement. Comment on ferait pour se nettoyer sans rivière? Y'a un moyen de le faire ou pas? Genre un bidon avec de l'eau? Je sais pas. Parce qu'après prendre un bain, je sais plus si ça nettoie vraiment les vêtements, je crois pas. On a qu'à y aller avec le cheval. Ça nage bien, cheval. Non, on fait On passe à peine dessus et que ça les tue, c'est trop bizarre. Il y a le sang, il disparaît pas, hein. On a taché notre vêtement. Allez. Il n'y a plus rien qui peut être nettoyé. On va prendre un bain à Rod et après on va prendre un ticket. Un ticket pour Valentine. Je sais plus vraiment où est-ce qu'on prend un bain. Ici. C'est au saloon, je crois. On peut se nettoyer là.
dans la mangeoire du... Non. Enfin, le, la mangeoire, le... Pour les chevaux, le truc d'eau. Heck, it's been some time. Welcome back from your journeys. How can I help you? Winchamp, prendre un bain. I need a wash. You got a bath? Magnificent. You'll feel renewed in no time. Oh mon dieu, c'est loin. Turns out a con man hustled the Gordon family out of most of all their inheritance. Mm-hmm. Voilà. On va faire ça vite fait, après on mange. On fait un peu de roleplay, c'est bien. Can I offer any assistance? Non merci, j'ai pas envie. Nah, I'm good. Thank you. No worries, just doing my job. À bientôt. On n'est pas là pour rester 3 heures. Ça serait mieux si le perso était une femme. Votre énergie a augmenté. Ah, parfait. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. A card. Ah, mais si le perso était une femme. Rockstar serait sous les verrous. Comment osez-vous montrer une femme à moitié nue? You need to lay off the Prairie Moon gin, Martha. Why, hello, Chris. Voilà, parfait. Ah, j'ai dit qu'on allait manger. On mange avant de partir. C'est encore moi. Faut pas me chercher. Now, how can I ease your troubles? Can I take the catfish piece? Le jeu qui va être intéressant pour ça, c'est Merde, comment ça s'appelle? Mince. Hello. Ce qu'on fait Witcher 3, là, leur nouveau jeu. How do you do? Punk. Cyberpunk. Quelque chose. Oh, j'ai des trous de mémoire, mais c'est affreux. Ça va être sympa si on a un perso féminin. Enfin, de ce qu'ils ont montré, en tout cas, ça va être cool. Valentine, s'il vous plaît. Ok, safe travels. Parfait.